ça va? Oui, toi? Oui, on t'offre un petit café. Merci. On s'invite chez toi pour fouiller dans ta garde-robe. Mais venez-vous-en. Parfait. Voici ma chambre. Allô, Gloria. Hello. On va commencer par les questions. Oui. Donc, c'est quoi ton meilleur souvenir de voyage en un vêtement? C'est celui-là. Oh mon Dieu. C'est quoi ton meilleur souvenir de voyage en un vêtement? C'est celui-là, définitivement. C'est une de mes amies qui me l'a passé en voyage. Puis à chaque fois que je mets ce chandail-là, il y a quoi de rocambolesque qui se passe. Pour vrai, c'est un running gag, genre ce chandail a un pouvoir. Puis ben maintenant, je le garde pour comme des événements spéciaux. Parfait. Ouais. C'est quoi ta tendance préférée du moment? Oh mon Dieu, c'est oversize, OK? Tout ce que je peux faire oversize. Genre, en ce moment, j'ai des mom jeans avec un chandail trop grand. Genre, des crew neck oversize pour l'hiver, pour l'automne. Sérieux, j'en abuse, là. J'en ai de toutes les couleurs. J'ai l'impression que le oversize vient toujours avec comme un accessoire, soit dit les chaînes. Genre, j'en ai tellement, pour vrai. Puis je trippe parce que je trouve que ça donne un petit edge à un look. Puis c'est vraiment pratique. En tout cas, je sais pas à quel point ça va être longtemps à la mode. Mais tu sais, genre, Billie, là, Billie Eilish. Oui. Elle a tout le temps des chaînes, mais ça, là, je trippe sur ça. Vraiment. Duh. Et c'est quoi ton achat le plus impulsif que finalement t'as jamais porté? Mon achat le plus impulsif, c'est définitivement ces docks-là. C'est pas que je les aime pas, c'est vraiment juste que comme je les ai achetés sur un coup de tête. Puis quand je les mets, ça fait tellement mal. Mais comme pour vrai, là, genre je m'ouvre les pieds avec ces docks-là. Puis je pense que vu qu'ils sont comme plastifiés, c'est pire. Oui. Mais ma résolution cet été, c'est de les pull off puis genre réussir à les mettre parce que je les adore, là. Mais c'est juste que je les ai portés genre une fois à Oshiaga. Pire idée. Ouch. Pire idée de ma vie. Oh mon Dieu. Ouais, fait que c'est ça. Ils sont très belles. Merci. Et c'est quoi ta paire de jeans préférée? Ma paire de jeans préférée, en ce moment, je l'ai sur moi puis je l'ai en noir ici. C'est des jeans de chez Zara qui sont dans le modèle Slushy. J'en ai parlé dans une story la semaine passée puis genre, il y a tellement de filles qui m'ont dit qu'ils ont acheté ça puis ça a changé leur vie. C'est, dans le fond, c'est comme la parfaite coupe de mom jeans. C'est pas moulant, c'est pas serré, c'est oversized. C'est ça qu'on aime. Exact. Okay. Ta paire de souliers la plus portée, usée à la corde? C'est mes Converse, pour vrai, été comme hiver, là. Genre, ça m'a pas... Ouais. Mais comme là, j'ai changé pour des bottes noires, mais comme pour vrai, j'en abuse. Puis ça, ils ont genre un an. Ils sont déjà crottés de même, là. Comme j'en rachète à chaque année. Bon, c'est sûr que Oura... Oura, il veut de l'attention, hein? Bon, bonjour Oura, on salue mon chat. Fait que c'est ceux-là. J'adore. Ah, c'est couché. Oh, OK, on va parler trop fort. Sans nous révéler le prix, l'item le plus dispendieux de ta garde-robe? C'est ces pantalons-là. Oh my God. Je les ai achetés pour Oshiaga l'année passée. Puis à chaque fois que je veux être un peu comme trendy, plus habillée que comme en jeans puis en t-shirt comme tous les jours, je les mets. Ils sont vraiment beaux, là, mais comme... Ils sont vraiment beaux. Oh, vraiment, déjà. Genre, vraiment. Ensuite, ton morceau le plus gênant? Oh my God. C'est ça, OK? C'est parce que... Je sais pas si vous savez c'est quoi ces pantalons-là. Genre, je veux juste donner une idée. Ah oui, les pantalons à rem. C'est comme ça qu'on les appelle? Ouais, ouais, moi, c'est comme ça que... Il y a sûrement plusieurs noms, là, mais... Mais genre, check! Mettons, le fond de culotte est là. Oh non! Mais, sérieux, c'est genre la chose la plus confortable au monde. Puis je porte des fois ça en voyage, mettons. Okay. Mais comme vraiment pas souvent en public. Là. Je peux pas. En public, ça le fait pas. Mais c'est ça. Puis je peux pas genre m'en débarrasser, je les aime trop. Can't touch this. L'item le plus précieux qu'on t'a offert? OK, ça, il y a une grosse histoire. Il est vraiment pas très beau, mais dans le fond, c'est le chandail de ma naissance. Parce que quand je suis née, mes parents savaient pas si j'allais être un gars ou une fille. Ils ont attendu. Puis mon père, pour l'annoncer à la famille, il a écrit sur le chandail « It's a girl ». Puis l'autre bord, c'est une fille. Puis genre, mon père portait ça le jour de ma naissance, puis il me l'a donné. Puis c'est comme, il y a du vécu, là, mais c'est tellement précieux. Genre... Très cute. En tout cas, c'est ça. Mais c'est tout pour les questions. On va passer au défi look. D'accord. Yeah. Je suis prête. Le premier défi look, c'est le look que si tu veux porter ça à tous les jours, tu porterais ça à tous les jours. Parfait, fait que c'est ça. Allez me changer. Bye.
Alors, voici mon look de tous les jours. Pour vrai, ça serait la meilleure affaire si je pouvais porter ça chaque jour. Genre, bon, c'est encore du oversized. Honnêtement, quand je dis que j'aime le oversized, j'en abuse. Fait que ma sacoche vient de... C'est ma cousine qui me l'a donnée. Ça ressemble tellement à une Chanel. Genre, je l'adore. Puis elle est juste tellement pratique. Ce crew neck-là vient de chez Simons. Ça, c'est des mom jeans qui viennent de Friperie. Genre, super, super confortable. Bleu pâle. dans tous mes looks, il va y avoir les Converse parce que je ne détiens pas de souliers autres que ça puis des bottes, genre, pour l'hiver. Fait que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'améliore dans mon fashion. Quoique je suis vraiment pas une référence côté fashion, ma chaîne. Encore une fois, ça, c'est tout le temps. C'est ma manière d'avoir l'air chic en n'étant pas chic. Je pense que c'est ça qui complète le look. C'est un défi réussi. Merci! Fait qu'on passe au prochain? Oui, le prochain look, ça va être le look de prédilection en voyage. Let's go! Ok, bye! Look de voyage, me voici, me voilà. Fait que ça a l'air de tout ça. Les mêmes jeans, on reste dans le même thème. Il y a toujours mon sac banane, genre tout le temps, ok? C'est vraiment important. Je trouve que si t'as pas un sac banane pour voyager, il te manque quelque chose dans ta vie, là, genre, vraiment. C'est comme la veste parfaite, c'est pas trop lourd, c'est pas trop chaud. C'est vraiment parfait. Puis, quand t'es en short, je trouve que comme ça, ça te permet d'être plus confortable, genre. Fait que, c'est ça, tout vient de Friperie, en fait, je pense à ça. Genre, sauf mes Converse puis mon sac banane, littéralement. Puis mon collier, ben, non plus, mais en tout cas, fait que c'est ça. Environ le look de voyage. Un autre défi réussi. Yay! Et le dernier? Oui, le dernier, c'est ton look mou. Ouais. Quand tu veux te filer à la maison. Ça, c'est un petit peu différent. Okay. On reste dans le même thème. Fait que voici mon look Netflix and chill. genre, si je t'invite chez moi dans la vie, un soir, c'est sûr que je t'habille. Genre 100% de chance que c'est le même que je t'habille. Des fois, ça varie. Des fois, c'est comme un chandail plus grand. Mes jogging, ils viennent de chez Walmart. Ils m'ont coûté genre max 10$. ça, c'est encore thrift. C'est un petit chandail qui est pas oversize cette fois-ci. Il est ajusté. Fait que c'est pas mal ça. Yay! Yeah, un autre défi réussi. Yay! Yeah, parfait. Merci beaucoup, Gloria, de nous avoir accueilli chez toi. Ça fait plaisir. Donc là, si tu peux te débarrasser d'un morceau là, ça serait quoi? Ça serait celle-là, ok? C'est un vieux chandail jaune. Je sais pas si on voit une tache, ok? De fond de teint. j'ai essayé de le couper, chose échouée. genre, ça va pas du tout, il est comme tout croche. Puis, il y a eu une passe dans ma vie où est-ce que j'aimais vraiment le jaune. J'aime encore le jaune. Écoutez, c'est quand même quelque chose que j'aime. Mais j'aime moins en porter qu'avant. Je suis plus dans les couleurs neutres maintenant, blanc, noir, gris. Fait que je trouve que comme, je trouve jamais l'occasion de le mettre. Il est dû. Parfait. Ben en échange, on va te donner le petit chandail. Yeah! Merci! Ça fait plaisir. Merci! Bon, ben, bye bye tout le monde!